face à la Fenica, tu vas être parmi nous. Vous allez incliner ma tête et je demanderai à Fenica de prier. Père Céleste, nous te bénissons. Nous te rendons gloire au Père pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour l'œuvre du Golgotha. Par cette œuvre, nous avons eu la possibilité de nous approcher de toi, de nous approcher du trône de grâce afin d'obtenir miséricorde et secours. Ce soir, que tu puisses nous secourir, que tu viennes au secours de notre incrédulité, de nos faiblesses, et que tu puisses nous parler par ta parole, car elle est une lampe qui brille à nos pieds. Il est écrit dans ta parole que vous faites bien de prêter attention à la parole prophétique, qui est une lampe qui brille dans l'obscurité. Alors que ce temps est couvert d'obscurité, mais nous savons que par l'accomplissement de la parole prophétique, nous voyons ces événements du temps moderne être clairs devant nous. Amen. Nous te remercions pour cela, Père, car ce n'est pas par notre intelligence, ni par notre force, ni par nos études, mais c'est par ta grâce, car notre capacité vient de toi. Amen. Que tu bénisses ton serviteur par qui tu vas nous parler ce soir, et que la gloire te revienne. Nous voulons, par ta grâce, incliner nos volontés à ta parole. Alléluia. Et que seule ta volonté s'accomplisse dans la vie de chacun. Alléluia. Ainsi la gloire te reviendra comme cela t'est dû au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous te remercions. Amen. Amen. Aujourd'hui dans le psaume 119, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et il nous est dit d'une manière très claire au verset 139, la révélation de tes paroles est claire. Amen. La parole de Dieu ne peut être lumière pour nous que lorsqu'elle nous est révélée par le Saint-Esprit. Amen. Si cette parole n'est pas révélée par le Saint-Esprit, l'homme qui marche ne pourra pas être éclairé. Et c'est vrai, nous avons encore entendu dans Jean. Nous sommes dans Jean 12. Je préfère cela, je crois que c'est dans Jean 8, là où Jésus dit « Je suis la lumière du monde ». Jean 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Alléluia. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Amen. La déclaration de notre Seigneur est très importante, parce que quand il déclare qu'il est la lumière du monde, il est bon que nous comprenions que selon Jean, au chapitre 1er, Jean, chapitre 1er, à partir du verset 1er, là il est dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Au verset 4, en elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Amen. Amen. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Dans la parole était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Amen. Verset 6. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière qui est la vie des hommes. Verset 9. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Amen.
Elle était dans le monde. Alléluia. Amen. Amen. Et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Mais dans Jean 17, Jésus priant dit ceci au verset 25. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi, je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Amen. Amen. Donc revenons dans Jean 1 où nous étions. Verset 10. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Acte chapitre 13, verset 27. Car les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus. Alléluia. Amen. Vous voyez comment l'écriture est claire, elle n'a même pas besoin d'explication. Nous n'avons pas besoin d'expliquer ces choses parce que l'écriture s'explique par elle-même. Car les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus. L'ayant méconnu et en le condamnant, ils ont accompli les paroles des prophètes qui se lisent chaque sabbat. On revient dans Jean 1, 10. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et ceux qui ne l'ont pas connue, les siens, ne l'ont point reçue. Verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçue. Amen. C'est ça le secret, le recevoir. À ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. C'est un pouvoir que l'homme n'a pas. Mais lorsque l'homme, né de l'homme et de la femme, accepte la parole, reçoit le Seigneur Jésus, un pouvoir qui est étranger à sa nature lui est donné de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Celui qui accepte alors le Seigneur, il devient enfant de lumière. Je crois que c'est dans 1 Thessaloniciens. Qui nous a dit. Là, au chapitre 5, à partir du verset 1 et du verset 3, on nous montre la prophétie, et au verset 4, « Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière. » Amen. Amen. « Et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres. Non. » Alors, ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Quand on accepte la parole, quand on accepte lui qui est la lumière du monde, nous avons la possibilité de devenir des enfants de lumière. Et étant devenus des enfants de lumière, je crois que c'est dans les Éphésiens au chapitre 5. Éphésiens 5. Nous sommes au verset 8. Autrefois, vous étiez ténèbres. Par notre nature, par la naissance, nous sommes ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Alors, marchez donc comme des enfants de lumière. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est très claire. Amen. Par naissance, nous sommes dans le livre des Éphésiens, au chapitre 2.
Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Voilà ce que nous étions autrefois. Mais étant venus au Seigneur, comme nous venons de lire dans Éphésiens chapitre 5, autrefois, vous étiez ténèbres. Quand nous étions ténèbres, qu'est-ce qu'on produisait? Les fruits des ténèbres. Maintenant, vous êtes lumière, mais cela n'est possible que si nous sommes dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Et regardez maintenant verset 9. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Donc ce n'est pas ton fruit, ce n'est pas le mien, c'est le fruit de la lumière. Si nous sommes devenus lumière, alors on verra en nous toutes sortes de bonté, l'homme verra en nous toutes sortes de justice, l'homme verra en nous toutes sortes de vérité. Nous devenons alors une lettre lue et connue. Mais qu'est-ce qu'on lit? On lit la bonté, on lit la justice, on lit la vérité. Tout produit de l'homme est incapable de ceci. Je relis verset 9. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Lorsque nous allons dans les Corinthiens, 2 Corinthiens au chapitre 4, là, nous lisons à partir du verset 6, « Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, ça c'est la première création, a fait briller la lumière dans nos cœurs, ça c'est la nouvelle création. Pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu, sur la face de Christ, je recommence, verset 6. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres. Genèse 1, afin que nous voyions cela. Alléluia. Genèse 1, verset 2 et 3. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Amen. Amen. Ici, nous voyons que la terre était informe et vide, elle était chaotique, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Mais chose curieuse, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Malgré la présence de l'Esprit, la terre, qui était informe et vide, n'a pas été remplie. Malgré la présence de l'Esprit, la terre qui était ténébreuse n'est pas devenue claire. Elle n'a pas été illuminée. Mais au verset 3, il a fallu que Dieu parle. Dieu dit, la parole est donc sortie, que la lumière soit, et quelle a été la conséquence? La lumière fut. Alors Paul prend la première création, dans 2 Corinthiens 4, verset 6. Car le Dieu qui a transformé la première création par sa parole, de ténébreuse qu'elle était, il en a fait un jardin d'Éden. Il prend maintenant la nouvelle création, il dit, ce même Dieu-là, a fait briller la lumière dans nos cœurs. Amen. Amen. C'est merveilleux. Amen. Il prend la première création, il dit, mais celui qui a fait cela, c'est le même qui a parlé maintenant pour faire briller la lumière dans nos cœurs. Si la terre, la lumière a pu briller, quand la parole a été prononcée, pour que la parole brille dans nos cœurs,
Il faut que la parole se soit proclamée. Amen. Amen. Ça ne change pas. Comment a-t-il fait briller la lumière dans les ténèbres? C'est de la même manière qu'il a fait briller la lumière dans nos cœurs. Mais dans quel but? Pour faire resplendir ce qui est merveilleux. C'est que nous lisons au verset 3 du même chapitre, versets 3 et 4. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Voilà. Alors il explique. Pour les incrédules, donc quand l'évangile est voilé à quelqu'un, c'est aux incrédules qu'il est voilé. 2 Corinthiens 4, maintenant nous sommes au verset 4. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle, qui est le Dieu de ce siècle? C'est Satan, a aveuglé l'intelligence afin qu'il ne voie pas quoi? Briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Maintenant, il dit ceci. Mais Dieu qui a fait que la lumière brille dans les ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs, pour qu'au travers de nous, il puisse faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Amen. C'est lorsque nos cœurs sont illuminés par la lumière, nous étant transformés, que la gloire de la connaissance crie de Dieu resplendit. Amen. C'est ce qui est dit dans les Philippiens. Amen. Au chapitre 2. Commençons au verset 14 jusqu'au verset 16. Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu. Irrépréhensible. Bien aimé, ce ne sont pas des paroles en l'air. Nous devons être irréprochables. Nous devons être purs. Nous devons être irrépréhensibles. Mais où vivons-nous? Au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Amen. Mais comment pouvons-nous briller comme des flambeaux si celui qui a dit que la lumière soit n'a pas fait briller la lumière dans nos cœurs? C'est normal que le Seigneur ait dit sur la montagne, vous êtes la lumière du monde. Alléluia. Nous sommes dans Matthieu 5, au verset 13. Vous êtes le sel de la terre. Par le sel, on donne de la saveur aux aliments. Quand les aliments sont fades, sans goût, on prend du sel et ils ont maintenant un goût, ça devient agréable. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus alors à être jeté dehors et foulé aux pieds des hommes. Vous êtes la lumière du monde. Alléluia. Vous êtes une ville située sur une montagne. Alléluia. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Au loin, on la voit. Amen. Vous êtes la lumière du monde. Lorsque le Seigneur Dieu fait briller la lumière dans nos cœurs, c'est alors que la connaissance de la gloire de Dieu peut resplendir et que les hommes peuvent voir cela. Il est important que le croyant ait une vie qui soit digne de l'évangile. Je crois que c'est dans les Philippiens, l'épître aux Philippiens, que cela est dit. Philippiens 1, verset 27. Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme
dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Amen. Ceci est important, ceci est capital. Si nous sommes des enfants de la lumière, la Bible dit, alors le fruit de la lumière consiste en... Cela veut dire que nous devons devenir lumière. De ténèbres que nous étions, nous devons devenir lumière. Si la parole de Dieu ne pénètre pas l'âme, si l'âme n'est pas engendrée à une nouvelle vie, on ne peut rien produire qui puisse être agréable à Dieu. Ce qui est agréable à Dieu, c'est ce qui vient de lui. Amen. Ce n'est pas ce qui vient de l'homme. Si nous voulons plaire à Dieu, laissons Dieu nous donner ce qui est à lui, Amen. Et nous le lui amenons en retour, et lui sera heureux. Amen. Ne soyons pas comme Caïn, qui a amené le produit du fruit de son travail, ce que lui-même avait fait, qu'il estimait bon, et l'a présenté à Dieu, et Dieu n'a pas agréé cela. Mais Abel, lui, il a laissé le Seigneur le conduire, et le Seigneur lui a révélé que c'était son premier-né. Le premier-né que Dieu lui a donné, et il le lui a amené en retour. Je vois que c'est dans le livre des Chroniques, c'est David qui fait cette prière, s'adressant à Dieu. Nous sommes dans 1 Chronique. Nous sommes au verset 1 Chronique 29. En inhala, c'est la un tango, je ne sais pas. Tango, non, quoi. Dans les chroniques, il est dit dans 1 Chronique, au chapitre 29, il dit au verset 12, c'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Amen. Amen. Nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Amen. Si nous voulons lui offrir quelque chose, il faut que nous l'ayons reçu de sa main. Amen. 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 Nous sommes devant toi, des étrangers, des habitants, comme tous nos pères. Nos jours sur la terre sont comme l'ombre, il n'y a point d'espérance. Éternel notre Dieu, c'est de ta main que viennent toutes ces richesses que nous avons apportées. Amen. Amen. Pour te bâtir une maison. Amen. À toi, à ton saint nom, et c'est à toi que tout appartient. Ce que nous lui donnons, c'est ce que nous avons reçu de lui. Amen. Amen. Si nous voulons que Dieu se réjouisse de ce que nous apportons, il faut que ce soit lui qui nous ait donné cela. Amen. Amen. Oh, il ne faut pas être comme Caïn, il faut être comme Abel. Amen. Si nous voulons que Dieu se réjouisse de nous, il faut qu'il ait produit en nous ce que lui veut. Mais pour qu'il le produise, il faut que nous laissions la parole de Dieu pénétrer notre âme. Ah, et c'est là que se trouve tout le secret. Nous sommes dans Hébreux, au chapitre 2. Hébreux, chapitre 2. Au verset 12, commençons même au verset 11, car celui, il est d'abord dit, car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issu d'un seul. Qui est celui qui sanctifie? Jésus-Christ. De quoi? De faire. Et encore, je me confierai en toi. Et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Amen. Verset 14, écoutez ceci maintenant. Ainsi donc, puisque les enfants
participe au sang et à la chair, il y a également participé lui-même. Amen. C'est ça le secret. Amen. Quand les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même. Qui est ce lui-même? Ésaïe, au chapitre 34, 35. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Prenez courage. Alléluia. Ne craignez point. Voici votre Dieu. Dernière partie du verset. Il viendra lui-même. Qui est ce lui-même? Il y a participé lui-même. Alléluia. Alléluia. C'est pas un autre. Il viendra lui-même. Et que fera-t-il? Et vous sauvera. Alléluia. Amen. Au verset, au chapitre d'Ésaïe 43, il dit ceci. À partir du verset 10 jusqu'au verset 12, vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, donc vous devez savoir, et que vous me croyez, donc vous devez encore croire, amen, et compreniez, et vous devez comprendre, alléluia, amen, que c'est moi, alléluia, amen. Il viendra lui-même, il a participé au sang et à la chair lui-même, afin que vous sachiez, que vous me croyez, et que vous compreniez que c'est moi, alléluia, avant moi. Il n'a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. C'est moi, moi, alléluia, qui suis l'Éternel. Amen. Amen. Et à part moi, il n'y a point de sauveur. Amen. C'est moi qui ai annoncé. Annoncé quoi? Qu'il viendra lui-même. Alléluia. C'est moi qui ai sauvé. Alléluia. Amen. C'est moi qui ai prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que vous avez compris cela? Amen. Amen. Ce n'est pas parmi vous un Dieu étranger. Non. Revenons dans Hébreux 2, verset 14. Ainsi donc, alléluia, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même. L'Écriture est merveilleuse. Alors, la Bible dit, dans le livre de Philippiens, chapitre 2, nous sommes au verset 5, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existait en forme de Dieu, n'a point désiré demeurer dans cette forme-là, mais il s'est dépouillé lui-même. Ah. Voyez comment l'Écriture est précise. Il s'est dépouillé lui-même, c'est-à-dire qu'il a ôté sa gloire visible. Et quand il s'est dépouillé lui-même, qu'a-t-il fait? En prenant une forme de serviteur. Ah, comme les enfants ont participé à la chair et au sang, il y a participé lui-même. Amen. 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 L'Écriture est belle. Il dit ceci. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme. Il était homme. C'est pour ça qu'il avait faim. C'est pour ça qu'il avait soif. Amen. Et il dit à la femme samaritaine, donne-moi à boire. Et à la fin, il a dit, j'ai soif. Et on lui a donné du vin. Il a eu faim. Il s'est fatigué. Il a dormi. Frère, il a eu mal à la tête. Il a eu mal au ventre. Il a été tenté. Il a été éprouvé. Il a paru comme un simple homme. Toutes les épreuves que nous connaissons, lui les a connues. Quand nous disons, non frère, c'est trop, je ne peux plus. Mais il est passé par là.
Ah, mais lui, il était Dieu. Ah, c'est ça le secret. Ah. Il était Dieu manifesté en chair. Amen. Mais j'ai dit, vous êtes des dieux. Amen. Amen. Oui, c'est vrai. C'est pourquoi il n'a pas honte de nous appeler frères. Quelle est cette épreuve que nous avons qu'il n'a pas connue? Pas même plus, il est prêt parce qu'il était Dieu. C'est parce que Dieu le soutenait. Ah. Et croyez-vous que Dieu nous soutient? Amen. 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 Alors, s'il a vaincu, nous pouvons vaincre. Amen. Amen. Le secret, c'est avoir la même naissance. Amen. Alors, comme lui était né, alléluia, naissons de la même manière. Amen. Amen. Et nous vaincrons comme il a vaincu. Amen. 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 C'est le secret. Amen. Dieu qui a fait briller la lumière dans les ténèbres, amen, a fait briller la lumière dans nos cœurs. Alléluia. Oh, c'est un mystère profond. Amen. C'est le mystère de Christ et son Église. Alléluia. Un secret merveilleux. Il a été caché aux prophètes dans les âges passés. Mais il nous a été révélé en ces temps-ci d'une manière incroyable. Oh, Dieu est bon. Merci. Amen. Dieu est bon. Alors, en continuant dans 1 Philippiens 7, 1 Philippiens 2, 7, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme, il s'est humilié lui-même. Dieu sait bien dire les choses. Amen. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. Revenons dans Hébreux 2, verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a participé lui-même, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Par sa mort, il a rendu impuissant le diable. Amen. Alléluia. Amen. Ainsi, ah, parce que nous disions, ah, mais lui, il était fils de Dieu. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par la crainte de la mort, alléluia, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Alléluia. Sont vous délivrés? Amen. 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 Par sa mort, amen, il a rendu impuissant le diable. Amen. Ainsi, il a délivré tous ceux qui étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Mmh. Il l'a fait, bien-aimé. Amen. Là où nous ne pouvions pas, lui l'a fait. Amen. Ah, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Amen. Il m'a envoyé pour annoncer une année de grâce. Amen. Pour dire aux captifs, vous êtes libres. Amen. 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 Pour dire à ceux qui étaient dans les ténèbres, paraissez dans la lumière. Alléluia. Quand on dit paraissez, c'est que vous deviez paraître, mais quelque chose vous empêchait de le faire. Mmh. La prison. Maintenant qu'on peut sortir, nous pouvons paraître, amen, afin qu'il puisse voir. Notre Dieu est un Dieu d'amour. Alors dans les Romains, l'Écriture dit quelque chose de très intéressant. Romains chapitre 8, verset 3. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Il a participé à la chair et au sang comme toi et comme moi. Et quand il était dans cette forme, le psalmiste dit quelque chose de glorieux. Psaume 89. Psaume 89, versets 27 et 28. Lui, il m'invoquera. Tu es mon Père, mon Dieu. Vous avez entendu comment il appelle Dieu? Mon Père, mon Dieu, le rocher de mon salut, et moi je ferai de lui le premier-né. Mais s'il est le premier-né, c'est qu'il y en a d'autres. C'est pour ça qu'il n'a pas honte de les appeler frères. Alléluia. Alléluia. Il était déjà annoncé dans les psaumes, au chapitre 22. Dans le psaume 22, il était déjà dit, au verset 23, « Je publierai ton nom parmi mes frères. » Nous sommes donc les frères
de Jésus. Amen. C'est que nous avons un seul Père. Alors il fait une déclaration merveilleuse dans Jean au chapitre 20. Quand Marie le regarde, Jean 20, verset 16, Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas. Car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, Amen. Vers mon Dieu, Amen. Et votre Dieu. Amen. Amen. Il a été rendu semblable à nous, Amen. Mais c'est dans un but, pour que nous devenions aussi des enfants de lumière, Amen. Comme lui était. Il a pris notre place pour que nous puissions devenir comme lui. Bien aimé, ceci est capital. Jésus n'est pas venu sur la terre pour que nous demeurions des hommes. Non, il est venu pour que nous devenions des fils et des filles de Dieu, Amen. Qui ont la puissance sur la mort, Alléluia. Et sur l'adversaire. Engendrés à une nouvelle vie, nous avons le pouvoir. Bien aimé, il a dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions. C'est un pouvoir. Amen. Et quand il a dit ça aux disciples, ils sont allés et ils ont vu des miracles, ils sont venus, Seigneur, oh là là. Satan nous est soumis en ton nom. Il dit, oui, je l'ai vu tomber du ciel comme un équerre. En leur disant simplement, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Ces hommes qui n'étaient pas nés de nouveau sont allés, ils ont guéri les malades, ils ont ressuscité les morts, ils ont purifié les lépreux, ils ont chassé les démons, ils sont revenus émerveillés. Dit, maître, les démons nous sont soumis. Il dit, oui, j'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair. Le même qui a dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, il nous a donné le pouvoir, Alléluia. De devenir enfants de Dieu. Amen. Et Jean dit, bien-aimé, nous le sommes. Amen. Nous le sommes. C'est le pouvoir qui nous a été donné. Il dit donc, je m'en vais vers mon Père et votre Père. Amen. Vers mon Dieu et votre Dieu. Amen. Ha. Oh, il est merveilleux. Et Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. C'est glorieux. Nous sommes les frères de notre Seigneur Jésus-Christ. Ah, alors la Bible nous dit dans 1 Pierre, dans 2 Pierre, au chapitre 2, nous sommes au verset 3, mes frères, lui, il était Dieu. Calme, restez calme. 2 Pierre, chapitre 1er, verset 3. Sa divine puissance nous a donné tout, pas une partie, tous ceux qui contribuent à la vie et à la piété. La piété, c'est la nature de Dieu. Amen. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés. Ah, et à ceux, et ceux-ci, et ceux qui l'ont connu. Nous l'avons connu. La connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure. Vous savez ce que le mot assurer veut dire. Vous savez quand vous avez payé l'assurance. Vous faites un accident, il y a l'assurance va payer. Ce n'est pas ces assurances terrestres comme celles que Frère Emilien a connues. Il fait un accident, l'assurance ne paye plus. Non. Ça, ce sont des grâces saintes, promises. Assuré. Ah, vous croyez que j'invente? Non. J'invente pas. Ils ont dans acte. Amen. Amen. Promise à David. Ils ont acte. Chapitre 13. Commençons verset 32. Nous lirons calmement. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle. Que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le psaume 2e. C'est merveilleux. Amen. Tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Regardez, vous voyez? Nous lisons, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Pour nous voyons, c'est la naissance. Mais regardez, Paul dit,
Cette promesse, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le psaume 2e. Quand nous lisons dans le psaume 2e, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, Paul voit la résurrection des morts. Amen. Alléluia. Amen. Donc quand on t'annonce la nouvelle naissance, tu dois voir la résurrection. Amen. Selon ce qui est écrit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Qu'il ait ressuscité des morts, de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption, mais c'est ce qu'il a déclaré en disant, je vous donnerai les grâces saintes, promises à David, ces grâces qui sont assurées. Ah, voyez encore ce mot assuré qui revient. Des grâces assurées, pas l'assurance d'Arsa. Non, une assurance vie. Amen. Une assurance divine. Amen. Il a lui-même mis le cachet. Alors revenons dans 2 Pierre 1,4. Celle-ci nous assure de sa part, vous avez vu, les plus grandes et les plus précieuses promesses. Avez-vous reçu les promesses divines? Amen. Afin que pareil, par ces promesses, vous deveniez participants de la nature divine. Avez-vous entendu? Amen. Comme les fils, les enfants, ont participé à la chair et au sang, il y a participé lui-même. Il a participé à la nature humaine. Mais alors, en retour, il nous a donné ses promesses afin que par elles, nous devenions à notre tour participants de la nature divine. Il y a eu un échange. Il a pris la place du coupable et nous avons pris la place de l'innocent. C'est pour ça que la Bible dit qu'il est pour nous une victime propitiatoire. Une victime qui nous rend agréable à Dieu. Par elle, nous sommes devenus participants de la nature divine. Psaume 82. Psaume 82. Nous lisons au verset 6, j'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut, cependant, vous mourrez comme des hommes. Bien-aimés, notre mort naturelle n'ôte rien au fait que nous sommes des dieux. Amen. Amen. Nous sommes des fils du Très-Haut. Dans Jean au chapitre 12, il fait une déclaration merveilleuse. Nous sommes dans Jean 12. Est-ce bien Jean 12? C'est Jean 10. Écoutez ce qu'il est dit là. Versets 34 et 35. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. Si elle qui, la loi, a appelé Dieu, et vous savez que la loi ne peut pas être brisée, ceux à qui, si la loi a appelé Dieu, ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'Écriture ne peut être anéantie, maintenant, je vous pose une question. Que tous ceux à qui la parole de Dieu a été adressée lèvent la main. Ah. Vous voyez qu'elle vous a été adressée. Alors, vous êtes des dieux. Amen. Mais si vous êtes des dieux, mais produisez donc les fruits de la lumière. On voit. Amen. Vous ne pouvez pas dire, je suis Dieu et on ne voit pas les fruits de la lumière. Non, les fruits de la lumière consistent en toutes sortes de bonté, de justice. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible. Amen. Alléluia. Amen. Mais si la loi appelle ceux à qui la parole a été adressée, Dieu, et l'Écriture ne veut pas être anéantie, c'est que vous êtes des dieux. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais bien que nous soyons des dieux, et que Jésus est notre frère, et que nous avons un seul Père qui est Dieu, quand Jésus est apparu aux disciples, 8 jours après sa résurrection, nous sommes dans Jean 22, verset 26, 8 jours après,
Les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Les portes fermées, il n'avait pas besoin qu'on lui ouvre la porte. Il était dans un corps de résurrection. Le corps qu'il avait a traversé les portes. Mais ce corps pouvait manger. Ce corps pouvait être touché. Mais ce corps, les portes ne l'arrêtaient pas. Ne me demandez pas, je ne sais pas expliquer. Ce corps traversait les murs et les portes. Mais ce corps, quand il mangeait, la nourriture ne ressortait pas. Et il pouvait être touché. Quel genre de corps est-ce? C'est le corps glorieux. Nous qui avons revêtu le terrestre, nous revêtirons certainement le céleste. Amen. Alléluia. Amen. C'est la cela que nous tendons. Nous n'avons pas besoin de ce corps. Regardez, il s'arrête. Il a mal vieilli. J'ai dit, vous êtes des dieux. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Nous avons une tente qui nous adore. Amen. Un corps nous attend. Amen. C'est pour ça que Paul dit dans les Corinthiens, si ce corps meurt chaque-même, c'est pas le problème. J'ai une tente qui m'attend. Un corps qui est en présence du Seigneur. Amen. Avec ce corps, je pourrais traverser les murs, mais je pourrais manger. Bien-aimé, on va se dire bonjour. Oui. On se verra, on se touchera, mais on pourra traverser les murs. Je ne sais pas expliquer ça. Je sais que c'est le corps glorieux. Amen. C'est le corps de résurrection. Amen. La corruption n'héritera pas le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, il parut au milieu d'eux. Et la Bible dit au verset 27, puis dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Bien-aimé, lorsque nous verrons Jésus dans son corps, on verra. Il a dit à Thomas, regarde mes mains. Donc, on sait voir les traces. Ils nous disent, non, il a été crucifié ici. Non, la Bible dit, ses mains. Et bien là, dans mon côté, ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Alléluia. Amen. Son frère, quand il apparaît, Thomas l'appelle mon Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Quel mystère. Amen. Un Dieu si grand a pu penser à moi. Alléluia. Et son cher fils est devenu mon frère. Amen. Et je suis maintenant héritier du grand roi. Amen. Nous sommes héritiers de Dieu. Amen. Et co-héritiers avec Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc, ce frère-là, il m'appelle frère. Amen. Et moi, je lui dis, mon Dieu. Amen. 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 Quel amour. Alléluia. Quelle consolation. Quand nous regardons ça, les choses du temps présent n'ont pas de valeur. Oh, qu'est-ce qui peut vous dire? Qu'est-ce qui est comparable à l'amour de Dieu manifesté en Christ? Alors, Thomas l'appelle mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Avez-vous vu? Non. Croyez-vous? Amen. Amen. Vous êtes heureux. Amen. L'autre version dit béni. Mais Dieu vous déclare béni. Alors personne ne peut vous maudire. Alléluia. Amen. Merci de cette vie, Dieu. Amen. Amen. Alléluia. On disait non, l'esprit de la lumière. Amen. Oh, mais lui, il est des dieux. Nous le sommes. Amen. 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 Nous sommes ses frères. Amen. Et il n'a pas honte de nous appeler frères. Est-ce que vous entendez ça? Il n'a pas honte de nous appeler. C'est-à-dire que humainement, parlant, si on nous regarde, on doit avoir honte. Mais lui, il n'a pas honte. Pour lui, nous sommes vivants. Vraiment. Alléluia. Amen. Alors nous allons clôturer. Merci. Nous sommes dans Hébreux, au chapitre 1er. Alléluia. Prenons psaume. Psaume 45, au verset 3. Tu es le plus beau des fils de l'homme. C'est formidable. Hein? Oui. David regarde et dit, tu es le plus beau. Mais Esaïe regarde, comme les hommes regardent, il dit, ils n'ont fait de lui aucun cas. Semblable à celui dont on détourne le regard,
Mais David lui regarde, il dit, tu es le plus beau. Alléluia. Amen. Vous voyez que l'homme avec son regard regarde et il ne fait de lui aucun cas. Mais David regarde avec le regard divin et dit, tu es Alléluia. Le plus beau. Alléluia. Le fils de l'homme. Amen. La grâce est répandue sur tes lèvres. Donc quand il parle, c'est la grâce qui sort. Ah, Moïse est venu avec la loi. Amen. Amen. Mais Jésus a amené la grâce et la vérité. Amen. Et nous avons reçu de lui grâce sur grâce. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni. Alléluia. Pour toujours. Amen. Alléluia. Amen. Oh, vaillant guerrier, ça tourne plus, t'as paru de ta gloire. Oui, ta gloire. Alléluia. Vous vous souvenez de cette gloire. Nous verrons ça plus tard. Amen. Sois vainqueur. Monte sur ton char. Défends la vérité. Amen. Nous, il nous a été dit, prêche la vérité. Amen. Mais la vérité pour la défendre, c'est par lui. Amen. Toi et moi, frère, prêchons la vérité. Amen. C'est lui qui la défendra. Amen. Défends la vérité, la douceur et la justice. Amen. Alléluia. Et que ta droite se signale par de merveilleux exploits. Tes flèches sont aiguës, des peuples tomberont sous toi, elles perceront le cœur des ennemis du roi. Ton trône, ô Dieu, Amen. Il est le plus beau des fils des hommes, mais c'est un Dieu. Amen. Il est notre frère, Alléluia. Mais comment lui a dit, mon Seigneur est mon Dieu. Amen. Alors le chapitre lui a dit, oh, ton trône, ô Dieu. Amen. Ton trône, ô Dieu. Ô Dieu, et t'as toujours. Le sceptre de ton règne, tu règnes par l'équité. Tu aimes la justice, mais les fruits de l'humain consistent en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Oui, mais c'est toujours justice, bonté, vérité. Bonté, grâce, justice, vérité. Il n'y a que ça. Tu aimes la justice et tu aimes la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, il est Dieu, ton Dieu, Alléluia, il regarde ici, il croit être Dieu. Non, non, c'est mon frère, Amen. Mais je lui ai dit, mon Seigneur est mon Dieu. Mais lui m'a dit, je m'en vais vers mon Dieu, votre Dieu. Alors moi je lui dis, ô Dieu, ton Dieu, Alléluia, Amen. Pour nous c'est clair. Amen. Prenons cela dans les hébreux. Alléluia. Amen. Prenons cela dans les hébreux. Amen. Alléluia. Il est dit ici, au verset 3, Hébreux 1, 3, le Fils est l'expression de sa gloire. Donc, le Fils et l'expression. Donc c'est là qu'on ne peut pas être exprimé. Quand il s'est exprimé, c'est le Fils. Amen. Au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Et le Fils dit au Père, Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi. Alléluia. Amen. Le Fils est l'expression de sa gloire. L'image exprimée de sa personne. Amen. Donc quand sa personne s'exprime, c'est le Fils. Amen. Nous comprenons donc qui est le Fils Amen. De Dieu. Amen. C'est l'expression même de Dieu. Amen. Verset 4. Il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon Fils. Moi, je ne suis pas un ange, je suis au-dessus des anges. Amen. Parce que je suis Fils de Dieu. Oui. Je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Et de nouveau, lorsqu'il a introduit dans le monde le premier-né, Alléluia. Donc il existait avant que le monde soit. Mais lorsqu'il a introduit dans le monde, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. À toi soit la gloire, l'honneur, l'adoration. Amen. De plus, il dit des anges, il fait de ces anges des esprits et des serviteurs et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice
et tu as une iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu, ta voix d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Donc nous sommes ses égaux, amen. Mais son Dieu, la voix d'une huile de joie amen. Au-dessus de nous. Amen. Alléluia. Il est le plus grand. Amen. Nous sommes ses égaux, mais son Dieu, la voix d'une huile de joie au-dessus de nous. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous lui disons, ô Dieu, ton Dieu. Alléluia. Amen. C'est ça le mystère. C'est que notre Père est notre Dieu. Amen. Et son Dieu, c'est notre Dieu. Amen. Mais qui est-il? Il est Dieu manifesté en chair. Amen. 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 Et il nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, c'est-à-dire ses égaux. Amen. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui et nous allons prier. Nous Amen. Sommes les égaux. Amen. Quelle grâce. Amen. Je suis devenu l'héritier du grand roi. Mm. Dieu est devenu mon père. Mm. Et son fils est devenu mon frère. Amen. Alors Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère cela, Amen. Mon cœur heureux s'écrit à chaque instant. Amen. Oh Dieu d'amour, que tu es grand. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons nous lever. Alléluia. Et accueillir le docteur. Merci. De tout mon cœur, alors s'élève et chante. Ah oui. Dieu Tout-Puissant. Ah oui. Que tu es grand. Que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève et chante. Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant, car mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Ah oui. Le ciel d'azur, les éclairs de tonnerre, l'éclair matin et les ombres du soir. De tout mon être. Que tu es grand, que tu es grand, que tout mon être alors s'élève et chante. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, et quand je sens au sublime mystère, qu'est-ce si grand as-tu pensé à moi? Cher fils, est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi. Encore pour écouter ta parole. Oui, nous voulons y demeurer et nous voulons être enracinés dans la vérité. Alléluia. Marcher selon l'Esprit. Oui. Et mes Pères Célestes, sois loué, sois béni. Nous avons beaucoup à te demander. Toi, tu sais toutes choses. Tu as posé la question à Pierre et pour la troisième fois, Pierre était adressé. Tu diras, Père, Seigneur, tu sais toutes choses. Merci Jésus-Christ. En te nom puissant, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen.